Bonjour et bienvenue sur la chaîne 100% dédiée à la contrée et à la coinche. Aujourd'hui, je vous partage une vidéo sur comment évaluer sa main, mais surtout quand vous avez le valet et le 9, personnellement, je vous conseille de parler uniquement à 80. Parce que vous avez en main trop peu de cartes, trop peu d'atouts, et selon comment est redistribué les cartes, vous pouvez être très vite dedans si vous parlez à 90. Donc là, bien que j'ai le valet, le 9 et un as, je vais parler que à 80, parce que je ne sais pas si Frédéric, mon partenaire, va pouvoir me soutenir. Donc quand j'ai que ces deux cartes en main, généralement je ne fais pas de tour d'atouts, et le but qui va être toujours le même, pratiquement tout le temps, ça va être de faire couper mes adversaires pour rester maître et remporter la partie. Donc là, il y a un atout qui sort et le 10 qui est remporté. Mon partenaire avait un as, donc ça c'est très bien, moi, à savoir que j'en ai un autre aussi. Et il ne fait pas de tour d'atout, et on va dire heureusement. Il fait de nouveau couper, donc il y a deux atouts de sortie, il en reste quatre. Moi je coupe, et ça surcoupe, enfin ça sous-coupe, je ne sais pas si on dit ça comme ça, donc quatre atouts de sortie. Je vais utiliser mon trèfle, donc il reste quatre atouts en jeu, et là je vais pouvoir faire couper avec ma dernière carte à trèfle, et je reste maître jusqu'à la fin, et c'est ce qui va me permettre de rester maître jusqu'à la fin, de remporter la 10 de der et tous les autres atouts qui étaient encore en jeu, et de pouvoir donc remplir mon contrat à 80. Donc je suis quand même arrivée jusqu'à 102 points, mais parce que j'ai eu aussi le soutien de Frédéric qui avait des as, qui avait des atouts et qui a suivi aussi par la même occasion ma stratégie de jeu en ne faisant pas tomber les atouts. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt sur de prochaines vidéos. Ciao !